Après sa première victoire à l'extérieur à Dax, Montauban, poussé par son public, veut confirmer ce succès face à Albi. Des Albigeois qui espèrent eux aussi enchaîner après l'avoir remporté face à Angoulême. C'est Albi qui tient le ballon en début de partie. Sur une bonne charge, le troisième ligne Kersi entre dans les 40 mètres montalbanais. Le ballon ressort pour Bisman qui donne à Kirkpatrick. Mais l'ouvreur néo-zélandais commet un en avant de passe. L'action s'arrête là. C'est Montauban qui ouvre le score. À près de 50 mètres, Maxime Mati passe une première pénalité. Montauban 3, Albi 0. Pourtant en bonne position, le centre de l'USM ne parvient pas ensuite à doubler la mise. Il y a beaucoup de fautes de main dans cette partie. Après une touche dans les 10 mètres albigeois, Montauban enclenche un ballon porté. Il se structure puis avance. Albi n'arrive pas à stopper la progression des avants montalbanais. C'est le numéro 8 Amédée Domenech qui conclut finalement cette action. Satisfaction tout en retenue de l'entraîneur Chris Whittaker. Avec la transformation réussie de Mati, Montauban réalise pourtant un premier break 10-0. Albi ne s'en laisse pas compter. Kersi avance ballon en main et serre à hauteur son arrière Sikart, stoppé à une dizaine de mètres de l'embut. Bisman choisit de donner dans le côté fermé. Un ruck se forme, le ballon sort dans de mauvaises conditions pour Bisman. Mais les Montalbanais se sont mis à la faute. Le demi de mêlée en profite pour débloquer le compteur d'Albi sur pénalité. Montauban ne mène plus que 10-3. Les Albigeois finissent bien cette première période. Le deuxième ligne des Roches entre dans les 22 mètres. Nouvelle faute de l'USM dans un ruck. Bisman ajoute 3 points. Albi recolle à 10-6 juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Montauban tient davantage le ballon. C'est au tour d'Albi d'être sanctionné. Mati redonne 7 points d'avance à l'USM, 13-6. À l'heure de jeu, le buteur montalbanais a une nouvelle opportunité d'aggraver le score. Il ne tremble pas, Montauban mène 16-6. Albi est sous pression en mêlée. Montauban fait l'effort dans ce secteur. Tavalea adresse une mauvaise passe à Perrault, qui voit son jeu au pied contré par Swanepoel. L'ouvreur montalbanais récupère le ballon, accélère et plonge dans l'embut albigeois. Montauban fait un break définitif 23-6. L'USM n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. Mais malgré une dernière occasion à la suite d'une mêlée dominatrice, le score n'évoluera plus. Montauban enchaîne une quatrième victoire consécutive et reste invaincu à domicile cette saison. Avec cette septième défaite en 11 matchs, Albi est scotché dans la zone de relégation.